Begin after 8 taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut mes petits cadavres, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va mélanger plein de choses. Ça va un peu ressembler à un No More Noob, ça va un peu ressembler à des astuces sur les instances d'Osgiliath, et ça va un peu ressembler à un cours sur certaines compétences du Ménestrel. Vous voyez, on fait des super mix, rien que pour vous. Je vous propose de commencer directement, regardez cette situation qui se passe en T2 dans la cité en ruine. Top, on fait un arrêt sur image, on regarde un peu ce qu'on a en face de nous. Je vois 3 bourreaux semi-trolls élites assez costauds et 3 archers Haradrim. Ça veut dire un pack assez balèze à passer et c'est celui qui se trouve juste avant Jukotor. Et pour essayer de comprendre ce qui va se passer par la suite, voici un petit peu de théorie sur la façon dont l'aggro est faite en général dans les MMO. Mon maître du savoir est en train de se promener dans la forêt avec son familier félin. Quand tout à coup il tombe sur un camp orc. N'écoutant que son courage, le maître du savoir envoie bien sûr son familier à l'attaque. Quand le familier pénètre dans la zone d'aggro du mob, qu'il est perçu par le mob, il déclenche bien sûr l'hostilité de l'orc, mais pas que. En général, le mob lance alors un silent shout, un cri silencieux. L'objectif de ce cri silencieux, c'est de savoir si des alliés de l'orc à proximité l'entendent et viennent l'aider. Rassurez-vous, ce cri silencieux, c'est un mécanisme technique de jeu. Si vous le voyez pas à l'écran, le mob il crie pas. Il lance simplement un appel et tous ceux qui sont capables de l'entendre répondent et en fait viennent l'aider. Dans notre premier cas de figure, aucun orc n'est à portée du silent shout. Ça veut dire que l'orc tout seul qui est attaqué par le chat va lui foncer dessus. Et il s'ensuit un superbe combat. Pendant le combat, le maître du savoir change de position et va se planquer sous les arbres, mais ce faisant, il se trouve du coup dans la zone d'aggro de 2 autres orques. Sauf que cette fois-ci, les orques ne peuvent pas le voir parce qu'il y a un obstacle, et du coup, ils ne contournent pas les arbres pour l'attaquer. Le félin ayant détruit l'orque, le maître du savoir se replace et envoie le chat combattre un autre orque. Le chat passe alors dans 2 zones d'aggro, déclenchant l'hostilité de 2 orques. Les 2 orques poussent leur silent shout, et a priori, chacun est capable d'emmener un allié avec lui. Mais ce que le maître du savoir ne sait pas, c'est qu'en fait, l'orque du bas, il est lié à d'autres mobs. Lié, ça veut dire que, informatiquement, dès qu'il est attaqué, les 2 autres mobs vont venir l'aider même s'ils sont très loin, et même s'ils ne voient pas qui est l'assaillant. Ce qui veut dire que dans notre cas de figure, le chat se prend le camp entier sur la gueule. Et le maître du savoir doit sortir toutes ses compétences incroyablement fumées pour arriver à sortir vainqueur du combat. Dans le cas de figure numéro 2, le maître du savoir se déplace pour avoir une meilleure vue sur le camp orc. Il lâche une boule de feu sur l'orc qui est lié à ses 2 compagnons, le blesse, et comme l'orc, comme on l'a vu, était lié aux 2 autres orcs un peu plus bas, ils vont foncer à 3 sur le maître du savoir. Avec, en quatrième renfort, celui qui était à portée du silent shout. Alors que si le maître du savoir avec sa boule de feu avait one-shot le mob qu'il visait, il n'aurait pas eu le temps de lancer son silent shout. En conséquence de quoi, les 2 orques qui sont liés seraient venus combattre, mais celui qui était à portée du silent shout, lui, ne serait pas venu. Ce qui nous conduit, dans l'instance, au cas suivant. Et... T'en as pris que la moitié. T'en as pris que la moitié. Ah, mais tu m'as mis une bulle. Ben on a qu'un troll et un archer. C'est bien ça. Et là, je vois pas l'archer du coup. Ah si, il est là-bas. Mais je le récupère. Je vais les paquer. Mais... Oui, bah oui, du coup.
Vous l'aurez donc compris, ce qui au premier abord ressemblait à un pack de mobs n'est en fait que 3 groupes de 2 mobs. Et si vous arrivez à les pouler sans que leur Silent Shout n'amène les autres, vous pourrez vous les faire deux par deux. Cas de figure suivant encore plus intéressant, imaginons que notre maître du savoir a dans son groupe une charmante ménestrelle. Ils arrivent au camp orc et la ménestrelle se place à bonne distance pour placer la compétence distraction. Et si possible en essayant de viser un orc qui est plus ou moins au milieu du camp. Si l'orc ne résiste pas au sort de distraction, sa zone d'aggro est réduite à néant. Ça veut dire que non seulement il faudrait quasiment lui marcher dessus pour qu'il vous attaque, mais en plus il devient incapable d'entendre le silent shout des mobs autour de lui. Le maître du savoir lance donc sa boule de feu sur son copain juste à côté. Le copain juste à côté, bah, il gueule parce qu'il est pas content. Il appelle ses amis au secours et pourtant, l'orc distrait ne va pas venir l'aider. Ce qui donne ceci en situation dans l'instance de la cité en ruine. Ouais, il n'y a que deux archers qui tu vont. Vois. Attends, je vais les mettre là-bas. Je coupe les lignes de vue, ils vont devoir venir. Vas-y. Plus. Tu vas l'aimer ton champ de distraction. Ouais. Et donc ils sont pas Link en fait. C'est énorme ça. Ouais. Ça veut dire qu'on peut en faire des trucs avec le champ de distraction. Parfait. Ah, c'est génial, quoi. Dis que tu m'aimes. Dis que tu m'aimes, vas-y. Je t'aime, quoi. Mais t'avais pas... tu m'as pas enregistré l'autre jour quand je t'ai dit... Non, je te bannais. Ah. Voilà mes petits cadavres, c'est tout ce que j'avais à vous offrir dans cette vidéo. Il y a moyen de faire ces instances T2 bien plus facilement qu'on l'imagine, c'est simplement qu'on a un petit peu perdu l'habitude de se sortir les doigts du cul et qu'on connaît pas tous les compétences qu'on a à disposition. C'est pas simplement une question de stuff, c'est aussi une question de neurones. Et sur ces bonnes considérations, ciao mes cadavres, à bientôt !